Mesdames et messieurs, bonsoir. Je suis Edouard L'Aventure Ernest Moloscott. Aujourd'hui, c'est bien le 13 septembre 2019. Sur la table de contrôle, c'est bien Juan González. Il est assisté par notre collaborateur Abner Gelin, dit Abner G. Gain en pile l'information à l'échelle internationale. N'a pas tombé dans le président philippinien, M. Duterte. Eh bien, c'est un président, nous rappelez-nous, qui a considéré M. comme un dictateur, et qui était un ennemi farouche du président américain, M. Donald Trump, qui était un ami président américain. Et si nous rappelez-nous, eh bien, M. c'est un élément qui dit que lui contre la corruption. M. était prend en pile général en chef dans l'armée, lui, PIA, M. était torturé, yo, arrêté. Yo. M. Sao, c'était... C'était gros Land Rover et autres gros machines. Il a couru, mais monsieur était prêt toute machine luxe. Monsieur prend bulldozer, craser toute machine. Ça. C'est pour nous dire que c'est pour un président qui n'en jouette. Et puis là, il trouve un nègre, c'est dans drogue, lié dans vol. Il dit que passez-le en babal pour moi. Monsieur fusillé. Yo. Président Duterte, dans Philippines. Monsieur, c'est un élément qui est très dur, qui est dur et puis qui est sauvage. Mais n'a pas signalé que. Monsieur est dans une zone, côté lié dans Philippines, non? Monsieur est dans une zone que monsieur contrôlait. Gaz, oil, à l'huile, c'est monsieur qui contrôle ça. Dans ce sens-là, il y a un président pays la Chine, non? Qui déclarait que le pas de problème. Lui-même, il parle de ce qu'on dit là, monsieur. Eh bien, la Chine a bail gaz à l'huile. Ça veut dire que. Duterte lui-même de côté pal abjoigne à recevoir l'huile et gaz, mais la Chine même lui-même de côté pal a essayé d'arranger pour prendre contrôle de la situation de l'autre bois. De côté président américain, M. Donald Trump, il n'a pas accepté que la Chine entrait dans les Philippines pour chita avec Duterte pour que les Américains prennent contrôle de la situation. Dans le point ça, n'a pas rappelé que l'autorité chinoise, yo en pour parler avec Duterte là, c'est une relation très serrée, mais les États-Unis pas voulu amitié ça. Et si on pas voulu, le président américain, M. Donald Trump, il a un devoir qu'on y a là pour le capable imposer. Et nous connaissons que quand Donald Trump dit non, il pas voulu tel bagaille, pas de monde qui a fait le fait. Et là qu'il dit non, il pas voulu que la Chine. Traversé à jeune Duterte, pendant que Duterte, président Donald Trump, t'a le recevoir dans la Maison Blanche. Mais ça peut empêcher que ça capable cause que Duterte vienne des problèmes. Comme monsieur son dictateur, monsieur capable de changer fusil d'épaule, et puis au cas où la Chine capable de dire normal, normal, net. Il n'y a pas de problème, et bien il a négocié avec Duterte. Là, son dossier que nous avons suivi et nous assurer auditeurs et téléspectateurs qui ont suivi pour nous venir avec d'autres informations pour nous. Nous avons tombé dans Venezuela, côté que le président vénézuélien, M. Nicolas Maduro, pas peur, parce que. Youn Namoun, qui lui-même, qui fait actualité, qui fait l'histoire, c'est Youn Advisor, président américain Donald Trump, n'a parlé de John Bolton, que président américain révoqué. Mais monsieur lui-même, tout, lui vexé pour gens que président américain révoqué là-là. Mais président pays Venezuela apprécié. Révocation parce que le bon bouli. Parce que c'est monsieur qui a fait négociation, yo, qui a demandé que faut jeter Nicolas Maduro, monsieur Paris placé là encore. Mais avec le départ, la révocation de John Bolton, eh bien, ça vient ouvert chemin pour président pays Venezuela, monsieur Nicolas Maduro. Encore une fois, nous rappelons nous Wangardo qui voit que le t'es joué. Parce que c'est lui-même que les États-Unis ont négocié là, puis ouais. Ok, et avec la présence de Juan Guaido, c'est certain qu'il est capable d'entrer dans la bataille et retirer Nicolas Maduro.
son calcul qui était mal fait. Et Nicolas Maduro lui-même, il vient de sentir fier. Parce que Nicolas Maduro, tu attends que nous qu'on est avec le président russe, là, Vladimir Poutine, qu'on pile négociation t'a fait. Mais je dis, nous qu'a dit que Nicolas Maduro, monsieur, prend proie. Président américain, vivre dans le point, il faut que l'employé la force. Quel type de force que pour l'employé? C'est pour montrer à la société que, bon, maintenant qu'on y a commencé, ouais, l'incapacité du président américain, monsieur Donald Trump. Non, point ça, nous promettons à l'auditeur que nous avons avec plus de dossiers pour nous. Nous avons signalé que funérailles, ancien président Robert Mugabe, monsieur, normalement, il travaille, retourner la Kaeli, parce que monsieur était mort dans Singapour. Eh bien, peuple, dans le pays Zimbabwe, il dit que chef-d'œuvre ça, auteur ça, libérateur ça, nous pas qu'à quitter le dehors, li obligé d'entrer la Kaeli. Ça veut dire que yo bay monsieur un funérail héroïque parce que monsieur t'a dit que ça c'est Robert Mugabe qui t'a parlé. Monsieur t'a dit que président Afrique du Sud là, Nelson Mandela, li bay la paix, li bay unité dans pays. Moi-même, Robert Mugabe, moi bay peuple moi au tête, moi bay au tête pour y rester. Peuple moyen, pas j'aime rester blanc encore. Moi bay aux possibilités pour chaque nègre qui ont terrain la caillou. Eh bien, c'est pour cela que peuple dans Zimbabwe est content parce que c'est grâce à Robert Mugabe qui fait y libérer devant blanc qui est en majorité et que Robert Mugabe te dit m'pas capable quitter blanc al quitter peuple en misère et il te dit blanc m'pas craso m'pas briso m'a bon petit côté pour été mon pas gain droit pour accueillir toute terre dans pays non et c'était le rôle de Robert Mugabe qui jodi à là qui mourut à l'âge de 95 ans et qui laissait un héritage côté juste dans moment n'a parlé à là. Monsieur, il y a une semaine que le mourit, il y a qui ont une semaine là, qui a crié, qui dit, il n'y a pas jamais lié héros ça. Mais il y a tout, qui n'est pas content avec Robert Mugabe. Et c'est ça qu'on président. Il y a qui pour, il y a qui contre. Moun ou fait bien, à battre bravo pour. Moun qui sentit que yo aisé de même, il a demandé pour mourir. Robert Mugabe te dit, pas besoin ni moun pour moi, ni moun contre moi, mais dès que m'gen pour m'fond bien dans le pays, m'en fait. Ces résultats, c'est demain après. Et bien, Robert Mugabe, il y a un résultat que tout le monde bat bravo pour Robert Mugabe. Il y a d'autres informations que n'a pas présentées à auditeurs et téléspectateurs KP Studio. C'est dans Bahamas. Bah, yon pas bon pour Haïtien. Gros équipe qui ici là, côté que yon décide, bah, Haïtien sa oppression. Gen des artistes qui yon même kap fè ou relevé de fonds pour en pile Haïtien qui nan grand goût, qui pas manger et qui pas ka manger dans Bahamas, spécialement dans Babaco. Eh bien, Aïssé Sayo gagne un chanteur classe qui lui-même, il gagne entre 7 à 8 000 dollars. Il dit qu'il a évalué à 15 000 dollars pour voir qui est capable de faire, pour être capable d'aider les gens, acheter du riz pour eux, poids, maïmoulu, côté où il y a un rage, où il y a un Bahamas, pour être capable de vraiment manger. Parce que Gampil, il n'y a pas besoin d'aide. Et nous connaissons que quand quelqu'un s'est traité, c'était un petit cas tol. Et c'est un petit cas vraiment qui était très, très dérisoire. Eh bien, quand il y a là, Pipo, il y a un artiste dans la classe, il demande à tout l'autre artiste, ça qu'a collecté, on collecte pour nous, si nous sommes capables d'aider.
Eh bien, n'a pas gardé là, même gens que y ont fait pour Bahamas, y a demandé support. Eh bien, n'a pas nous espérer que dans n'importe contexte, n'a préparé un reportage et gens que lié l'équipe de HPM a gardé pour nous un minimum ça lié nous capable faire pour nous capable bah, participation par nous dans gros travail ça cap fait parce que nous gain en pile frais nous ce nous qui sinistré là dans Bahamas nous pas arrêter indifférent pour ne pas aider yo sous affaire papier. Eh bien, président américain continue pour le confirmer ouais pas ouais si moun sa yo pendant que la mer a été tombée dans cyclone non. Et bien tombé dans de l'eau avant ta poté yo a yo te doit gè passeport dans poche yo. Mais président dit que dès qu'on pa gè passeport ou pas capable sou pa gè passeport pa arrêter là. Et c'est pour cela que premier ministre Bemien monsieur dit bon pas de problème m'a mandé moun yo préparer yo voyez deux photos bon moi même m'a pas arrangé là. Président Donald Trump dit il pas prendre ça, il pas accepter que monsieur voulait faire passeport n'importe comment, faut le régulariser. Mais président Trump il campé ferme sous décision que jeune ni jeune payé moun sa yo grand pile là pour retourner parce que moun sa pas supposé yo pas fait pour entrer là aux États-Unis. Déclaration président Donald Trump. N'a pas rappelé que te un gros débat hier soir. N'a dit que Joe Biden monsieur bien passé. Mais je n'ai pas demandé que M. Sao 3, si ce sont des adultes, il y a trop plage. Il faut un changement fait dans la politique pays, États-Unis. Tout est sur bon monde, 80, 89 ans, ce n'est pas possible. Eh bien, je n'ai pas dit que pour le prendre relève là. Et hier, tu as grand pile contentement. Et son dossier que l'équipe de HPM a préparé yo, pour informer auditeurs et téléspectateurs. Yo. Nous pas arrêter pour ne pas parler nous de son cœur cassé que lié. Le jeune Kim Jong-un Pyong-won-won 2. Monsieur préparé-le. Monsieur déclaré que non. Étape qui existait entre les États-Unis, côté que président américain, M. Donald Trump, l'étape négocié avec président Kim Jong-un, nous connaissons un qui était advisor président américain, c'est John Bolton. Dans point ça, la politique a changé. Président Kim Jong-un déclaré, pour le montrer que la politique a changé, tout bon vrai, il n'a pas dit la place sur le missile, non, il a lancé quelques missiles. Alors, président américain très inquiet, et son dossier que n'a pas contrôlé, pour nous capables de informer auditeurs nous. N'a tout profité rappeler à auditeurs nous pas voulu dire rien que ne pas faire. L'équipe de HPM n'a travaillé son dossier là pour que pour un froid notre travail et nous espérer que avant élection 2020 pour que l'équipe de HPM alchita avec président Donald Trump dans une interview en exclusivité pour qui ça que n'a fait. C'est parce que HPM, c'est pas intéressé pour vue de Taria et autres, non. Un journaliste est un journaliste. C'est soit un journaliste ou un journaliste. C'est soit un journal ou un journaliste.
normalement font un petit voyage à Washington. Et puis, pour nous préparer, ils ont tête à tête. Et nous parlons poser en pile question au président Donald Trump. Très simple. Haïtien t'a remis qu'on est que pour qui ça? Que président Donald Trump t'a traité nous mal comme ça. Nous pas besoin. Nous voulons répondre, nous, question ça. Pour qui ça le traité nous? Comme on pile fatra. Nous connaissons que nous manquons de monde qui vous pose des questions ça. Non, Pam, c'est Hydro l'aventure Ernest Moloscout. N'a préparé pour interview et puis s'il y a des monde qui t'a remis que nous poser une question que t'a remis nous poser président Donald Trump, écris-nous. Voyez message ba nous. Et nous avons analysé plusieurs dans questions yo et ça nous est qui priorité a n'a prendre pour nous poser. Mais c'est certain. HPM a rencontré président Donald Trump. N'a pas le passé à d'autres informations. En attendant que nous terminions, n'a profité nous pas le tomber actualité locale, non, actualité Haïti. Mais en passant, est-ce que nous avons dit à l'auditeur, restez branchés. Sur la table de contrôle, c'est bien Juan González. Il est assisté par notre collaborateur Abner Joël et Diabnadji. Non, Pam, c'est Hydro à l'aventure, Ernest Moloscott. Restez branchés. Son information en Haïti, il y a pile surprise. Restez branchés.